Hey les amis, c'est Orlox. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Celestia. Alors j'espère que vous ça va, que vous profitez de vos vacances, bientôt la fin, hein. J'ai pas trop envie de le dire, mais c'est vrai que c'est bientôt la fin des vacances. Moi je profite assez, donc ça va. Moi je suis assez en forme. En ce moment j'essaye de dormir beaucoup. Il n'y a pas eu de Celestia pour ça, hein, parce que j'essaye de me reposer un maximum et puis profiter du soleil, profiter d'aller dehors, tout ça. Donc j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos tout ça, mais vous inquiétez pas, ça va reprendre. D'ailleurs, je compte faire un live ce soir à l'heure où ben, l'épisode, de toute façon je vais l'uploader aujourd'hui, donc du coup ça sera ce soir, le vendredi. Donc du coup n'hésitez pas à regarder YouTube, il y aura un live. Je sais pas quelle heure, mais je pense 21 h. Ça me semble une bonne horaire. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps, mais je vais vous montrer déjà ce qu'on va faire pendant ce live-là. Mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, mine de rien, j'ai beau ne pas avoir fait de vidéo pendant 2 semaines, enfin 2-3 semaines, ouais, j'ai quand même pas mal taffé. Bon, c'est pas oufissime, mais j'ai quand même pas mal taffé sur quelques builds. J'ai pas modifié grand chose de ce que vous connaissez vous. Par contre, j'ai fait une petite construction ici. Enfin, une grande construction qui m'a pris pas mal de temps à faire en survie et en créatif. Bon, en créatif, vous savez, c'est les maps en survie, enfin, map solo. Mais là, c'est totalement fait en survie. Donc voilà, moi je voulais un peu reprendre Clara, je sais pas si vous connaissez la vie Clara de Final Fantasy IX. J'avais envie de reprendre un peu le principe, pas forcément le même design et tout ça, avec le même toit, la forme de toit et tout ça. Je sais que Clara sur Final Fantasy IX, c'est des toits bleus ou violets, je sais plus trop. Je sais que y a. De toute façon, je vais vous montrer. C'est pas très grave. Alors voilà, j'ai aménagé les maisons avec un peu de la cobble, enfin brique custom brick. Hop, j'ai vraiment tout aménagé. J'ai fait des formes de lit avec le petit lavoir là, où il se lave à l'intérieur. Hop. J'ai passé beaucoup de temps à faire de la déco surtout. Parce que ça m'a pris, j'ai du mal à faire la déco. Moi, je crois que c'est le truc que je ne sais pas trop faire avec la redstone. Je sais vraiment pas faire de la déco ni la redstone. Voilà, je fais un peu de déco. Voilà, hop, ici. Là, c'est là où tout le monde se réunit pour manger, avec petite réserve, avec un petit couloir encore, avec la cheminée, le petit canapé. Là, ça ramène à l'étage où il y a des coffres, un peu n'importe comment, mais ça c'est pas très grave. Et avec plein de coffres ici et un lit. Il y a un autre endroit que je vais pas montrer. Mais comme je vous ai dit, j'ai envie de reprendre les épis. Enfin, j'étais très content de vous retrouver sur Celestia. J'ai envie de reprendre un rythme régulier. Pas forcément une vidéo par semaine, enfin 2 vidéos par semaine. Une vidéo par semaine, ça me semble bien. Mais j'ai envie de reprendre du médiéville aussi. Là, c'est la réserve commune. Ici, bon, là, y a rien dedans, hein. Mais bon, c'est plus du RP. Hein. Hop, et là, on va monter. Et ici, j'ai fait la petite auberge. Enfin, ouais, petite, c'est une grande auberge, mais bon, c'est pas trop, trop. Il n'y a pas beaucoup de lits. Avec la petite entrée, comme ça. Je cherchais un petit villageois, peut-être à l'avenir. Ça, c'est les petits lits pour les aubergistes. Avec les petits. Ça, j'ai cassé un peu la fenêtre parce que c'était trop ouvert. Donc, en gros, j'ai mis ça. Ensuite, il y a l'étage où il y a tous les lits. Avec la belle petite vue qu'on voit à l'extrémité, comme ça. Et à l'autre extrémité, comme ça. Avec la petite Master Sword qu'on voit. Et je trouve ça pas mal. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de cette construction. Mais moi, j'adore. Franchement, j'adore.
de façon générale, mais construction, j'adore aussi, donc du coup, ça tombe très bien. Il y a un autre endroit que je vous ai pas montré, que j'ai construit aussi il y a pas très longtemps, assez récemment. Je sais pas si on le voit, on le voit de là, vous voyez de là, mais je pense que vous voyez ce que c'est, mais je vais m'en rapprocher. Et ce que je vais faire, le live ce soir, ça sera beaucoup les chemins pour rejoindre la structure que je vais vous montrer là. Cette petite structure qui est un moulin qui est aménagé à l'intérieur, bien évidemment. Et je trouve la construction plutôt pas mal. J'ai pas repris d'image, c'est vraiment une construction réalisée moi-même avec mes idées. Et comme je vous avais dit, j'aime pas trouver comme ça quand les Elytra ne fonctionnent pas. Alors en ce moment, il y a beaucoup de lag serveur, donc on va changer d'IP sûrement. Et justement, tout le monde a l'IP de Celestia. Ne m'envoyez pas vos candidatures par email ou dans les commentaires, me dire oh, j'ai l'IP de Celestia, ajoute-moi à tout ça. Déjà, Celestia, c'est pas de moi. Enfin, c'est pas moi l'admin. De deux, c'est pas aussi facile que ça. Vous ne rentrez pas comme ça aussi facilement dans Celestia. C'est pas en demandant que vous allez rentrer. C'est vraiment un serveur privé. Disons que moi, déjà, normalement, je suis pas censé être sur serveur. Donc, c'est pas comme ça que vous allez rentrer sur Celestia. Et c'est pas en insistant non plus que vous allez rentrer. Alors voilà la grosse structure. À la base, je voulais faire plus grand. Et puis, vu l'espace que ça prend déjà, j'ai fait nope. Du coup, ça rend pas mal. On va faire sûrement le chemin en hauteur comme ça. Le chemin qui va traverser tout l'accès, qui va ramener en haut. J'avais déjà commencé un peu le chemin en haut, mais je vais faire tout l'accès ici. Mais ça sera en live. Nous, ce qu'on va faire, c'est les champs de blé. Ça va pas être un épisode de fou, c'est un épisode de reprise. Hein. Donc, ne voyez pas que c'est un contenu. Enfin, soyez respectueux dans les commentaires. C'est pas un épisode très travaillé que je vais faire. Mais bon, je reprendrai un rythme normal à partir de la semaine prochaine. Enfin, à partir de maintenant même. Medieval, je pense que je vais le tourner pour lundi aussi. Donc du coup, ça va être pas mal. J'avais vraiment envie de reprendre Celestia quand même, parce que ça fait pas mal de temps que je laissais à l'abandon, que je profite d'aller dehors. D'ailleurs, je joue à Pokémon Go depuis très récemment, peut-être 2 semaines. Bah, depuis que j'ai arrêté Celestia en fait. Ici, j'ai tout bouché aussi en live. Comme ça, je pourrais avoir mon accès jusqu'au bout là-bas. Et hop, comme ça, on passera pas par le toit directement, on passera par un chemin. Ici, je vais tout boucher aussi. Et qui c'est qui va ramener à là-bas? Alors, le champ. D'abord, je vais faire un petit truc que j'ai pas fait dans ma construction. C'est remplacer le sol ici. Mais d'abord, je vais vous montrer. Alors, d'abord, on va aller tout en haut. Je sais pas combien de temps l'épisode va durer, mais c'est pas très grave. Hein, c'est un épisode de reprise, comme je vous ai dit. Donc, c'est pas très grave. Alors, voilà. Là, y a l'hélice qui tourne. Après, ça fait un engrenage. Après, ça part jusqu'en bas. Jusqu'en bas, où il y a le grain qui tombe. Là, ça le mouline. Ça le mouline, ça le mouline. Bon, après, bon, ça tombe pas. C'est pas non plus. C'est le point de vue RP, hein, je dis ça. Ça mouline, ça mouline. Et tout ce qui est mouliné, hop, ça tombe dans la cuve. Enfin, moi j'appelle ça la cuve, mais c'est pas forcément une cuve. Et après, ben, vous récupérez le blé et vous le tassez quelque part. Je sais pas moi, où vous le voulez. Et c'est pour faire le pain, justement. Donc, ça c'est plutôt cool. J'ai repris des images, enfin, j'ai repris le fonctionnement sur internet. Hein, comme ça, au moins, ça fait vraiment RP. Peut-être que je couperai un peu ce bout de la montagne pour continuer le champ, mais bon, c'est pas très grave. Ici à la base, c'était tout en cobble, donc enfin cobble
en stone, c'était tout en stone, et du coup j'ai tout remplacé en terre, hein. Donc là ça rend pas mal, ça faisait ça en fait, ça faisait exactement ça, jusqu'en haut, tout en haut, ça ramenait jusqu'en haut, vous le voyez là, un petit bout là, ouais ça faisait dégueulasse, donc j'ai remplacé tout ça, j'ai voulu faire mon moulin, oui, je sais, ça fait une structure très imposante, et ça fait pas forcément une structure très stable, mais j'ai mis la construction, j'ai solidifié tout ça, donc même point de vue réaliste, c'est pas censé tomber, donc ouais. Là, la nuit qui tombe, mais c'est pas très grave, j'ai assez torché comme ça, là peut-être pas là, mais bon, c'est pas très grave. Donc, alors, j'ai pris tout ça avec moi. Alors, le jus d'arc et enfin des. Vous m'avez compris. Non, pas ça que je voulais faire. Non, 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 non. Je vais enlever ça. Parce que j'ai pas envie que ça dégrade. Heureusement que ça a rien dégradé. Hop. Comme j'aime bien faire ça et que ça rend plutôt bien, je vais faire ça plutôt ailleurs. Parce que j'ai encore des idées de construction que je ferai sûrement en off, encore une fois. Mais là, ces temps-ci, je bosse pas mal sur un projet perso. Pour vous, bien évidemment, mais un projet sur un autre serveur, et du coup, ça me prend beaucoup plus de temps à travailler les épisodes de Celestia. Comme vous savez, hein, les épisodes de Celestia, ça prend du temps à faire. Du coup, ouais, hop, comme ça, tout le long de la montagne, enfin de la falaise, de la montagne, ouais, je sais pas, hop, comme ça. Bon, ça se pose pas, j'aime pas trop ça. Ah, j'aime pas avoir les mains comme ça. Hop. Là, comme ça. Comme je vous ai dit, c'est pas un épisode super intéressant ou quoi que ce soit. C'est vraiment un épisode de transition pour reprendre. Ouais, ok, qui part. Et comme je vous ai dit, en général, je fais mes constructions en off. Il y a la maison aussi, ma maison perso. Je vais travailler aussi. Ne vous inquiétez pas. Je vais travailler cette maison. Enfin, ce que je veux dire, je vais faire de la. Je vais faire de la déco à l'intérieur parce que je n'avais pas terminé. Peut-être en live aussi, je verrai. Je ferai beaucoup de live, beaucoup de live en ce moment. Enfin. Bientôt là dans les prochaines semaines parce que j'ai quand même de la data et que enfin des gigas à utiliser et du coup je me dis pourquoi pas le faire hier normalement j'ai fait tourner un épisode mais j'étais très fatigué du coup je tourne aujourd'hui l'épisode du coup là il est 15h27 et du coup en général j'y m'y prends à l'avance parce que j'ai pas une connexion de fou. Mais là, je vais tester ma 4G. Voir comment je vais pouvoir uploader mes vidéos. Si ça met trop de temps, j'uploaderai une vidéo dans la soirée. Enfin, je serai dans la soirée. Il n'y aura pas de live. Mais je pense pas avec la 4G. Normalement, ça devrait fonctionner bien pour upload. J'ai vraiment envie de tester pour voir si c'est assez intéressant. Hein. Moi, ça me plairait d'upload plus de vidéos beaucoup plus facilement. Là, j'ai encore 35 gigas d'upload, donc du coup, c'est intéressant pour moi. Ça, je vais boucher. J'ai pas mis, lancé de timer, donc c'est possible que je coupe au montage. Hop. Le sol, comme ça. Non, je prends pas la. Je prends pas le comment s'appelle le charbon parce que j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de charbon. Parce que comme vous savez, je fais beaucoup de terraforming et du coup, en général, je tombe souvent sur des gisements de charbon. Du coup, c'est pas forcément très intéressant de prendre. Là, enlever ceci. Hop. Là, ouais, c'est éclairé, c'est bon. Ensuite, je remets la porte, la petite porte, la petite porte qui est ici. Ouais, je vais la mettre ici. Comme ceci, en fait, au final. Ouais, ça fait beaucoup mieux. Ensuite, le chemin.
Le chemin. Je vais pas le mettre de puzzle cette fois-ci, parce que ça va faire dégueu en fait au final. Je suis en train de me dire. Hop, donc alors, le chemin va commencer de là. Et va faire comme ceci. Et monter jusqu'en haut. Peut-être que je ferai des constructions là pour cacher le chemin. D'ailleurs, disons que je vais pas mal en live ce soir, je vais pas mal miner parce que j'ai plus trop de cobble pour faire mes chemins. C'est assez complexe. J'espère que vous entendrez pas les coups de marteau là dans le mur. C'est un voisin qui fait ça ou je sais pas qui c'est, mais c'est pas très grave. Hop. Je sais pas si vous avez très chaud en ce moment, mais c'est horrible. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très chaud. Le truc, c'est que je voulais. Ah non, c'est bon. C'est ce qu'il faut. Donc, au final, je vais laisser comme ça. Hop. Après, ben, en live, je verrai si ça a poussé. Normalement, ça poussera. Puis j'en ai souvent besoin en fait du blé, et c'est vrai que j'ai pas de champ de blé. Donc du coup, moi ça m'intéresse. Le seau. Je vais mettre des trous un peu partout. Hop, comme ça. J'ai fait ma source infinie ici. Du coup, ça tombe très bien. Hop. J'avais prévu quand même pas mal de choses à l'avance. Hein. Vous n'en faites pas. Je vais reprendre là. Et c'est assez dur quand même pour moi de reprendre le rythme parce que déjà il fait chaud. Bon là j'ai plus trop de choses à faire dehors et tout ça, mais j'ai pas mal de rendez-vous donc du coup comme vous je sais pas si vous le savez, je vous invite à aller voir ma FAQ. Je sais pas si je le dis au final du temps, mais je ne travaille pas actuellement donc c'est assez compliqué pour moi d'avoir des revenus à la fin du mois. Donc du coup, je recherche un emploi. Donc du coup, tous les matins, en général, je cherche soit sur Internet, soit j'y vais moi-même aller chercher des CV. Bon, après, ça relève de ma vie perso. Et voilà, je suis quand même beaucoup pris en ce moment. Je me tourne pas les pouces. Je suis pas adoré au soleil non plus. Je profite quand même des vacances quand même, à sortir avec mes potes. Mais ouais, c'est assez compliqué pour moi de faire des vidéos en même temps, mais vous en faites pas, je m'oblige quand même à faire des vidéos. Et puis c'est quand même ma chaîne, si des fois j'ai pas envie de faire des vidéos, vous n'en voulez pas. Moi ça fait pas très longtemps que je fais des vidéos, donc du coup c'est assez complexe pour moi déjà de faire des vidéos et de les travailler. Et je sais pas si vous regardez les épisodes de Celestia d'Aurélien, mais il explique lui aussi que faire des épisodes c'est pas facile non plus. Il faut prévoir beaucoup à l'avance, il faut miner, il faut réfléchir à un contenu très intéressant. Bon, moi c'est pas très intéressant là aujourd'hui, mais vous en faites pas, les prochains épisodes seront intéressants pour vous. Comme ce que je fais à la base, des épisodes très travaillés, je m'oblige quand même à faire des épisodes travaillés quand même, un minimum hein, quand même. J'ai envie de... j'ai pas beaucoup de gens qui visionnent mes vidéos, donc du coup c'est important de faire des épisodes travaillés. J'ai pas une communauté non plus de fous, donc voilà. Ça je vais tout boucher. Après vous inquiétez pas, les sources d'eau ne sont pas visibles. J'ai éclairé aussi avec la glowstone comme je fais en général. Et c'est possible que en live ce soir je mets du blé un peu partout aussi, comme ça c'est style que tout le blé tombe aussi un peu sur le côté. Alors j'ai pris ceci, mais d'abord si je vais quand même boucher tout ça avec quand même de la lumière un peu partout quand même. Hop. Parce que comme vous savez, je n'aime pas les torches, je trouve ça dégueu qu'il y a des torches apparentes comme ça. Ça me plaît pas du tout. Je suis pas monsieur de torches du tout. Je n'aime pas les torches. J'aime les torches, mais quand elles sont... disons qu'elles sont
poser non, enfin poser comment dire poser intelligemment, genre dans les constructions, dans les maisons, ou, je sais pas moi, sur les chemins, ou, vous savez, pas forcément sur les chemins, parce que moi j'aime bien faire les petits les lampadaires, vous savez que je sais faire, que je fais ça en général. Mais ouais, c'est vraiment moi j'aime pas trop les torches, donc du coup hop, j'essaye de faire un maximum de glowstone. J'ai de la chance d'avoir un nether pas très loin, enfin de mon chemin, enfin de mon chemin, de mon accès dans le nether, donc du coup ouais, pour moi c'est intéressant de prendre la glowstone. Et puis avec les Elytra, vous savez, c'est très facile de voyager dans le dans le nether et dans l'overworld. Ensuite, ben, on va poser le blé. Hein. On va y aller. D'abord, on va couper. On va mettre tout ça. Puis en live, on verra si ça poussait. Mais normalement, oui. Ici. C'est possible que j'augmente les champs. Déjà, la prochaine construction, je vais faire un peu la même chose, mais sur une autre construction assez intéressante. On va faire aussi de la déco, je pense. On va continuer la maison. Ma maison. On va la continuer. Je sais que Higuette a fait un world tour très récemment. Et il m'a spoil la construction que j'avais fait de là-bas. Je vous ai montré en premier. Du coup, c'était un peu chiant. Mais bon, après, ça, je n'en veux pas. Hein, il fait ce qu'il veut. Mais le truc, c'est que en général, les gens, quand ils font des world tours, ils ne le précisent pas sur la combo Skype, et du coup c'est un peu chiant. Moi quand je fais le World Tour, le seul World Tour que j'ai fait, je l'ai signalé quand même sur le Skype pour mon équipe qui voulait que je ne spoil pas. Donc ouais, c'est un peu chiant, mais bon, après j'en veux personne, hein. Le World Tour c'est fait pour ça, puis c'est un serveur communautaire, enfin un serveur entre potes. Et puis Yet non plus n'a pas forcément un point de vue très suivi non plus, donc du coup c'est pas très grave, c'est pas Stefano ou Furious ou Aurélien, donc moi ça me va. Je vais faire une coupure et puis je vous reprends là. Je vais aller chercher au final je vais faire en cobble, c'est pas très grave, je vais faire en cobble le bois comme ça. Comme ça, je fais pas de transition. Non, pas comme ça. Je suis bête. Je fais pas de transition parce qu'autrement, vous allez me faire du montage. Et comme j'ai envie de vous, quand même vous faire un épisode assez rapidement, comme je vous ai dit, j'ai pris pas mal de retard. Donc du coup, j'ai très envie de vous faire un épisode très rapidement. Yep. Beaucoup demandent à Sif s'il va donner la map pour ses 100 épisodes, ou peut-être à la fin de la série, oui, mais comme la série n'est pas à la fin de la série n'est programmée pour tout de suite, vous n'allez pas avoir la map tout de suite, hein. Je préfère vous le signaler, vous allez attendre encore pas mal de temps. Puis moi, mes projets sont pas terminés, les projets d'Aurélien non plus, enfin les projets des membres en général ne sont pas terminés, donc du coup c'est dans longtemps. Je pense que s'il faudra atteindre les 150-200 épisodes, hein. Donc ne vous attendez pas à avoir une fin de série tout de suite, hein. Je pense que Celestia va encore durer un an, genre en refaire un, ça part vite au final. Je pense ouais que les épisodes de Celestia vont durer un an encore. Donc du coup, ne s'attendez pas du tout à la fin de Celestia maintenant. Et puis au final, comme c'est très regardé, c'est pas plus mal que Celestia ne se termine pas maintenant. Ça serait dommage. Hein, ça serait vraiment dommage. Donc du coup, ouais. On va boucher les sources d'eau. Hop, comme ça, on va boucher ceci aussi. Encore un petit tuto, hein, que j'aime bien faire pour éviter d'avoir trop de trucs apparents.
Bon, après, on les voit en dessous, mais c'est pas trop grave. Avec le blé, on le verra pas. Hop. Il n'y aura pas de machine, hein. Il y aura pas de machine en redstone ou quoi que ce soit pour récupérer le blé. Ça sera vraiment tout à la main. Mais moi, ça me dérange pas de tout faire à la main. Ici, je ferai pas de barrière. Hein. Je laisserai comme ça. De toute façon, la zone sera fermée pour éviter les mobs qui spawnent ici. Et là, normalement, c'est assez éclairé. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de mobs qui spawnent. S'il y a des mobs qui spawnent, c'est pas très grave. Ouais, je regarde encore si ça tourne. Mais normalement, oui, ça tourne. Enfin, je veux dire la vidéo. Hop. On va faire ça, comme ça. Et normalement, j'ai tout bouché, oui. Et on va mettre les petits blés. Hop, comme ça. Oui, j'en avais récolté pas mal. Des seeds. En général... comme je fais beaucoup de terraforming et ça part beaucoup, enfin vous savez dans les plaines et tout ça il y a beaucoup de, vous savez comment ça s'appelle, de plantes, d'herbes, et du coup quand je terraforme l'herbe part avec les blocs, donc du coup j'ai beaucoup de seeds et je trouve ça pas mal. Hop. Très utile. Beaucoup m'ont dit aussi dans les commentaires que je devrais utiliser la main gauche, mais moi j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire. Enfin, la main droite ou la main gauche, les deux mains quoi. Mais moi c'est pas trop mon délire. Moi je connais Minecraft depuis le début de Minecraft, donc du coup c'est pas forcément évident pour moi de faire ça. Hop, on a bientôt fini. Enfin, il reste le bout là-bas, mais ça part très vite. Et du coup, je laisserai sur Twitter l'heure où je vais faire mon live. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Enfin, de toute façon, c'est vis-à-vis de l'upload de la vidéo. Si l'upload ne se fait pas aujourd'hui, il n'y aura pas de live ce soir. Ou il y aura peut-être un live, mais sur un autre serveur, sur un autre jeu. Je sais pas, je vais voir. Je verrai. Au final, je verrai. J'ai très envie de faire les lives, comme je vous avais dit dans ma FAQ. Ça m'a toujours intéressé de faire les lives, beaucoup plus que de faire des vidéos. Je veux être franc avec vous. Moi, les lives, ça m'intéresse beaucoup plus. Mais c'est possible que je teste Twitch aussi. Pas ce soir, mais à l'avenir. Parce que Twitch est... beaucoup plus performant que les lives YouTube que je fais en général, parce qu'il n'y a pas de slow mode sur YouTube. Les modos ont du mal à gérer tout ça. Les trucs, c'est que c'est pas très, enfin, après le délai entre ce que je fais moi, ce que vous recevez vous dans votre vidéo. Ah, restart, c'est pas très intéressant. Bon, c'est pas très grave, on se retrouve juste après le restart. Voilà. Alors, je disais, pour YouTube, j'aime bien faire des lives YouTube, mais c'est pas très intéressant pour moi de faire des lives sur YouTube, parce que c'est très mal géré sur YouTube. Du coup, moi j'ai envie de faire des lives sur Twitch parce que c'est beaucoup plus, beaucoup mieux. Enfin, c'est pas optimisé, mais ce que je veux dire, c'est mieux. C'est plus performant en fait. Il y a beaucoup plus de trucs, il y a beaucoup plus de trucs intéressants dessus. Donc, du coup, peut-être que je testerai ça. C'est pas forcément intéressant pour vous parce que vous pourrez pas vous connecter avec YouTube. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon vous pourrez quand même visionner sans parler sur le chat. Donc je vous tiendrai au courant. Donc je vais terminer la vidéo ici. J'espère que ça vous a vu. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est pas un épisode très intéressant. Mais je reprendrai quand même un rythme régulier à partir de la semaine prochaine, vous en faites pas.
laissez un pouce bleu, un commentaire dans ma vidéo, et n'hésitez pas à partager aussi mes vidéos, ne vous en faites pas, enfin, n'hésitez pas, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi, n'hésitez pas à aller partager mes vidéos, moi ça me conviendrait. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec un rythme régulier, peut-être avec une vidéo par semaine, je sais pas, je verrai. De toute façon maintenant, ce sera pas des vidéos sur un planning strict, ce sera des vidéos quand j'ai envie en fait. Mais il y aura quand même une vidéo, je m'obligerai quand même à faire une vidéo par semaine de Celestia, quand même, limite. Donc on se retrouve pour la prochaine épisode, et portez-vous bien, à la prochaine. Bisous, bisous, bisous.